Tu crois qu'elles ont oublié qu'elles étaient venues pour tuer un étudiant toutes les heures? Non, elles sont juste à fond dans leurs problèmes de cœur. En fait, Nora étouffe, elle a besoin de respirer. Mais Marie-Louise a peur qu'elle finisse par la quitter si elle lui accorde un peu de liberté. Donc tu en es arrivée à cette conclusion, rien qu'en les observant? Bah, ça crève les yeux. Ou alors j'ai tout faux. Je te demanderais volontiers de m'accorder cette danse, mais... Mais je pourrais te tuer, ce serait pas génial. C'est vrai. Si seulement tu pouvais en parler à une personne susceptible de nous aider. Je demanderai à Valérie d'annuler le sortilège une fois que Damon aura réussi à ramener Oscar à la vie. Wow ! En gros, tu cherches pas vraiment à éviter cette fille. T'attends seulement que Damon ressuscite un mort. J'ai compris. Caroline, j'ai rayé Valérie de ma vie il y a de ça maintenant 150 ans. Oui, mais... Aujourd'hui, elle est de retour et t'es mort de trouille à l'idée que le simple fait de la regarder dans les yeux réveille tes sentiments pour elle. Tu sais, l'amour obsessionnel, et puis l'abandon et tout ce... foutu conte de fées. C'est moi qui suis censé avoir peur de tout ça ? Ce serait pas... plutôt toi ? Peut-être les deux. Tu veux que je te dise ? Je crois que je suis trop fatiguée pour avoir cette discussion maintenant. Es-tu partie te cacher? Ça y est, je commence enfin à apprécier cette musique. Goûte-la. Elle a dû manger indien, elle a un petit goût épicé. À quoi tu joues? Oh, ne prends pas un air aussi choqué. Et toi, ne fais pas comme si tu n'avais pas agi par pure jalousie. Cette pauvre fille ne représentait rien à tes yeux si tu n'avais pas aussi désespérément besoin d'attention. Besoin d'attention? Comment je pourrais avoir besoin d'attention alors que je viens de passer ces 120 dernières années à t'avoir constamment sur le dos? Oh, je t'empêche de t'amuser? Pas si loin, Nora. Pas si vite, Nora. Comme si on était encore au 19e siècle et que j'avais besoin que tu me protèges. C'est pas moi qui ai du mal à m'adapter, Marie-Louise. C'est toi! Bon, très bien. Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Quant à moi, j'avais terminé ce que nous sommes venus faire.